Et nous voici dans le deuxième épisode de Zelda Journey of a Day et on affronte le premier donjon qu'on a trouvé peut-être un peu trop vite finalement, même dans un village. Ça se peut qu'on se fasse casser la gueule, fait que jugez de nous pas. On va espérer que c'est pas trop tough. L'entrée est un peu différente des autres. Hein. D'habitude, il y avait un ascenseur direct puis ça descendait. C'est gazonné. Mm-hmm. C'est pas normal que ça soit gazonné. Il reste étage là. De l'XP trop haut, ça prend jump, je crois, pour y aller. Frapper vers le haut. Frapper vers le haut. On n'a pas de clé. Bon, ça y est, le problème. Je vais continuer d'appeler les Mongols. Oh! Ok. Ça, le truc, tu te rappelles, c'est quoi? C'était se mettre dans son. En dessous de son arc, puis il peut plus te toucher. Faut juste descendre au bon moment quand il y a une petite pause. Là. Oh. Ok. Vas-y doucement. Ah! Parce qu'il y a comme des. Ah. Ouais. Yes! Ça valait 2 d'XP. Quoi? Ok, les autres ils ont l'air plus tough que le. 1 d'XP. Ça passe à chaque. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Yes. Ok. Ah, un pont qui s'est détruit. Fuck l'XP, vas-y pas. On ira plus tard. On n'est pas prêt. Ok, un suicidaire. Un autre. Ok. Quoi? C'est une joke? C'est un boss. Oh, oh oui, c'est un boss au début du donjon. Alors qu'il te reste comme un coup pis t'es mort. C'est juste la tête qu'il fallait toucher. C'était super dur comme boss en plus. En fait, quand on pognait le tour, ça allait bien. On pouvait le tuer vite, mais là, on n'a plus le tour. Non. Non, ça, il flash quand il est touché. Comme ça. Et il tient enlevé deux cœurs. C'est vraiment juste de trouver l'espèce d'arc qui marchait bien avec son marteau. Oh. Wow, c'est tough. Ah! On n'est pas prêt pour ça. Non, non, non. Tu veux l'avoir. On recommence au début. Oh, un village, Alex. Un village. Puis il y a même la boucane, alors que dans le vrai jeu, il n'y en a pas. Puis le pont était gratuit, merci. Alors, c'est quoi le village? Roru. 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 Hey. Oh. Sans commentaire. Mm-hmm. Je peux soigner n'importe quelle blessure. Tu vois. Tout. Guéri. Merci. D'habitude, dans les villages, il y avait toujours une espèce de side quest, je m'en rappelle. Il fallait retrouver un item. Ouais. Ou on obtenait un pouvoir, comme ici, mettons. Ah, c'est-tu erreur? C'est le frère des parents. Je suis encore une erreur. Je sais pas s'ils ont inventé de nouveaux pouvoirs, de nouveaux items, ou c'est vraiment le même jeu. Oh, une madame qui sort. C'est d'habitude, c'est bon signe. I am so angry. Je suis tellement fâché maintenant. Point d'exclamation, exclamation. Ah, elle s'est fait voler son collier, Alex. Tu trouves le collier? Penses-tu qu'il est dans le village ou ailleurs? Oh! Fort probablement qu'il est dans le village. C'est toi qui as volé le collier? Essayez d'éviter la forêt. Il y a des araignées. Non. Ah. Toi, t'as-tu un collier? Elle joue à Pokémon mais Go. Oui, il joue à Pokémon Go là-dedans. Bon sang. Il n'y a pas des bons Pokémon à rouler. On s'en va d'ici. Bon, fait qu'il faut trouver un collier. Ah, puis elle nous a dit d'éviter la forêt, fait qu'on va y aller. Ah, tabouère. Ok. Yeah. Ah, ça prend une fille, j'imagine, ça. Ah, mais c'est ici qu'on fallait aller. Ouais. Puis ici, c'est pas le cache. On est couché. Ah, ça fait du bien de voir ça. Faudrait. Faudrait une stratégie, Alex, là. Regarde, on peut te laisser mourir en dignité. Ben si, t'es, mais... si t'es chanceux, tu attends, vas. Attends, je vais au moins aller chercher mon level. Au moins. Oh! Une plus. Qu'est-ce que c'est? C'est l'autre bord.
On a-tu trouvé un trésor? Oh! C'est un trou. Je pense que c'est voulu. C'est pour traverser la rivière. Non, non. Tu tombes en bas, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être légitime. Moi, je pense que ça sert à traverser la rivière. Piquette, c'est ça. Tu m'as tué. Moi, je pense qu'il doit avoir la même affaire à l'autre bord, puis ça sert si tu prends un high jump ou une fée, puis tu traverses au bord du lac. C'est un raccourci. Et puis, ça monte lentement. Ça monte. Et... un level! Ça, c'est un bout qu'on met dans le montage parce que c'est cool. Et maintenant, l'attaque niveau 3. Yeah! C'est sûr que les boosts de magie au début, ça sert pas grand chose. On peut toutes les canceller. Mais tu vises quoi? Ah, attends. Défense, back. Oh, ouais, prends-le. 60 de magie. Ouais. 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 On peut réessayer le donjon, tiens. Ouais, je pense qu'on a pas le choix. On est vraiment bloqué. Et donc, on a décidé de réessayer le premier donjon après s'être fait péter la gueule par tête de cheval. Comme ça, je l'appelle tête de cheval. On a fait un peu d'XP. On est rendu level 3 en attaque et 3 en défense. Et en magie, pour l'instant, on n'a pas, donc on s'en fout un peu. On n'a pas trouvé de cœur, mais bon. Fait que. Bonne chance, Alex. Tu peux l'essayer? Tantôt. Anyway, j'ai l'impression qu'ils vont nous en foutre partout des têtes de cheval. Ça va être... il va y avoir des middle boss pis tout. T'sais, on est au début du donjon, on n'a même pas la clé pour aller en haut. Puis ils nous foutent déjà une tête de cheval. Tête de cheval. Je vous rappelle. C'était quoi? 20 là, ça? 10? Au moins 10? 50 peut-être même? Je sais pas. Ça valait cher cette dimension. La musique de Zelda 2 est très bonne. On l'entend moins dans les remakes des jeux parce que c'est pas le même compositeur que tout le reste là. C'est pas Koji Kondo qui a fait tout le temps. Oh! C'est un coup que t'es mort de jeu. Hey, ça c'est bon. Ouais! Ok. Hey, t'es pas pire là. Yes! Ouais! Comme un champion. Comme un champion. Et t'as la clé. Et on va aller voir à droite, mais j'ai l'impression qu'elle sert à vous servir à aller en haut. Ça, c'est cool, c'est mon truc. Ça, j'étais bon avec ça. Le truc, c'est de sauter ta tête. Sauter la tête. Voilà. Oh! Ça valait cher, c'est mon truc. Comment c'est là? Ok. Ouais. Yes! Bon, c'est bon. Ça veut dire 5, 7. 7. 13 plus ça. Ah, on était à 13, hein, déjà. T'as peur. Ça semble être un piège à con, ça. Ça saute, non? Tu l'as presque. Oui, on peut sauter. Un autre. Profite-en quand t'as une espèce de. Quand t'as pas de plafond du toit, c'est la façon la plus facile de tuer. Ah, donc on a besoin du gant pour péter ça. Qui doit être en haut. Et attention au suceur d'XP. Yes, on est rentré dans la porte. C'est une première. Ah, eux autres c'est en bas. On touche en bas. Donc plutôt facile. Puis va à la rue. Oh là là! J'ai mon cœur arrêté trois fois. C'est un peu intense tout ça. Ah! Oh là là! Yes! Ça vaut pas grand chose. Oh, mais ça prend l'attaque vers le bas pour pouvoir le faire. Attention! Faut que tu comme t'avances un peu vers lui en même temps. Ça se tue aussi, mais c'est long. Ça prend genre 50 coups. Plus 50. Un autre jump tough. Bon, monte. Oh
non, notre XP. Hey, il a volé 10 d'un coup. Même si c'était 1 à chaque. Là. Au moins avoir notre 60, ce serait un accomplissement de permanence. On va perdre ce 38 là. Fuck! Ah. Ah là là, un autre boss? Au moins tu le tues d'un coup. Je sais pas si c'est à cause de ton level. Là, mais... Squeeze-le puis t'approches-le. Là. Il vaut peut-être 200 d'XP. Deux. Il va donner un XP. Ils se sont gâtés pour un premier donjon, mais ça me semble que c'est un peu intense. Hein? Oh là là. Mais il vaut tellement deux, faut le tuer. Yup. Déplacement weird là. Oh my god, ils sont malades. Ça fait combien qu'on tue? Une chance t'as fait 3 levels parce que... Non! Ah! T'es de cheval est mort. C'est louche. Là j'arrive au donjon puis il manque un cœur. On s'est jamais rendu aussi loin. C'est une clé. On a besoin de prendre en bas. Il y a peut-être un passage à travers le mur. Non! Hey, on est rendu à ouvrir la porte, donc... On a tout refait le chemin jusqu'ici. Et on explore cette nouvelle zone. On avance encore. On n'est pas bloqué. C'est la bonne nouvelle dans ce jeu complètement inconnu. Avec beaucoup trop de méchants. Ils ont abusé, là. Comme souvent les dents hack. Parce qu'il... 45 minutes plus tard. On va chercher une étoile de Mario. Et voilà. Ah. Ils ont des boucliers anti-épée à longue portée. Ah ouais. Bon, on le fait. C'était quelqu'un pour me faire chier. Tu le laisses revenir sinon il va tomber. Ou tu le tues comme ça, c'est sûr. Ça, ça sent la boule. De... Oh! Ah! Avez-vous vu à quel point Alex est incroyablement ninja? Oh, un boss avec la lave. Un autre tête de cheval. Avec la lave. Tête de cheval. Un autre coup. Et c'est gagné. C'est une joute incroyable. Oui! Alex a défait la tête de cheval numéro 2. Et obtenu encore une clé. Combien il y a de têtes de cheval dans ce donjon? Oh! Très cool! On a la bougie, on peut maintenant aller dans les grottes, explorer. Ah! Ça, ça donnait une roche? Non, c'était déjà une roche avant. Ok, fait que les donjons, ça va donner des items, c'est différent. Ok. Là, ça veut dire qu'on n'a pas encore le gain, qu'on peut pas. Finir le c'est vrai. Ok, fait que c'est plus un open world, ça veut dire, quand tu prends d'un donjon à l'autre.